première fois que je l'ai vue, c'était l'heure des poubelles. Elle marchait au milieu de la rue, l'air hautain et rebelle. Bouclée dans un imper d'argent, sur des talons aiguilles. Elle semblait ne pas voir les gens et leur triste guenille. D'abord je n'ai pas vu ses yeux sous sa crinière en casque, car tout autour il y avait tant de bleu qu'on aurait dit un masque. C'était comme la reine de Saba allant son nul cortège, une démone rentrant du sabbat, nimbée de sortilège. J'en suis resté là, bouche bée, contemplant la coquette, et pour un peu laissant tomber mon lait et ma baguette. Dites, savez-vous son adresse? Moi, je ne veux rien que cela. Qu'elle fige son pas de déesse pour m'accorder un regard là. Je voudrais que mon tourment cesse, et qu'un matin, fille d'Allah, tu ramasses mon cœur en pièces, toi qu'on appelle Jamila. Voilà pourquoi chaque matin je descends dans ma ruelle, au coin de la rue Saint-Martin, espérant voir la belle. J'en vois de toutes les couleurs, des tas de jouvencelles, des Allemandes en chaleur, aux cheveux de ficelle, des flots de nanas sans apprêt, des féministes en mauve, qui s'y voulaient lorgner de près, vous lancent un regard fauve, des filles qui font à Pompidou admirer des peintures, des Hollandaises et des Hindous marchant vers la culture. Des seins ou bien des fesses, des fois y'en a une bien, mais pas une à autant de chiens que mon enchanteresse. Comment revoir la traîtresse qui jamais plus ne gravita entre Beaubourg et ma détresse? Vous pouvez voir le résultat. Dites, elle a bien une adresse, ma Salomé, ma Dalila, celle qui mit mon cœur en pièces et qu'on appelle Jamila. Enfin hier je l'ai revue, l'étrange sarrasine. Elle faisait à moitié nue la une d'un magazine. Il paraît qu'elle est du jet set, qu'elle fréquente le palace Saint-Germain-des-Prés, le 7, qu'elle adore la calasse. Mais qu'elle voudrait chanter du rock dans un groupe de lesbiennes, qu'elle se sent bien dans une époque si antédiluvienne. Ça ne m'a pas vraiment étonné ce que disait la lionne. Ça aurait été trop suranné qu'elle fût bien mignonne. Et je me dis, si elle me voit, bien sûr qu'elle passera outre, et qu'un pauvre type comme moi, elle n'en a rien à foutre. Si vous voyez la diablesse, ne lui parlez pas de tout ça, de l'endroit où le bas me blesse, ni de mes chaînes de forçat. Vous pouvez garder son adresse, moi je ne veux rien que cela.